Bonjour les enfants. Bonjour. Bonne année les enfants. Bonjour. Oui, je suis très content de vous voir. C'est la nouvelle année. Je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. On est aujourd'hui les dimanches. C'est quelle date? Qui peut me rappeler la date? Les 14. Les 14 de quel mois? Janvier. Voilà, on est les 14 janvier 2018. C'est notre première journée, c'est notre rentrée. Ok? Vous m'écoutez? C'est la rentrée aujourd'hui. Et comme on vit dans une société civilisée, on se présente les vœux. Et moi, je vous présente mes vœux de bonheur, de tout ce que vous voulez, de santé et de discipline. Ok? Cette année, on a commencé. On commence aujourd'hui par une activité. On va préparer la confiture à l'orange. Qui peut me dire comment on prépare une confiture à l'orange? Qui sait? Qu'est-ce qu'on a besoin? Des oranges. On a besoin des oranges. De quoi? Encore? De la confiture? Non, on va préparer la confiture à l'orange. Qui veut ajouter un mot? On a besoin de l'orange, ça c'est sûr. Et puis? Zigatin. Et quoi encore? Des fraises? Mais non, confiture à l'orange, pourquoi on a besoin de la fraise? Voilà, vous ne savez pas, c'est pas grave, on va vous apprendre comment le faire. Maman Lini à la cuisine, avec les autres personnes, on va le faire. Mais avant de commencer, ou avant d'aller plus loin, j'allais dire que l'année écoulée, tout s'est bien passé, on fait un petit bilan. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'année passée? Où on a été? Ou qui se souvient, qui était avec nous lors de nos activités? On a été où? À la mer. On a été à la mer. Et après? On était à Bodewen Park. Après encore la mer. Et puis la mer et quoi? Plopsan. Et puis Plopsalan. On a fait quatre activités. Plakendal, c'était l'année d'avant. Ostendo. Ouais, ça c'était à la mer. Donc, on a eu quatre activités et cette année encore, on aura quatre activités. C'est-à-dire, on va aller à la mer, Kevin. On va aller à la mer, Plosakwa, Paridaïsa, et puis encore la mer. Deux fois la mer et deux fois dans des parcs. Paridaïsa, c'est comme un zoo aussi, mais en plus grand, là où il y a le panda. On va aller voir le panda. Et silence, s'il vous plaît. Et pourquoi on a choisi ces activités-là? C'était votre choix. J'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse l'année prochaine? Et tout le monde a donné son avis et on a pris le parc qui a été le plus d'attention, hein, que les enfants ont voulu. C'est ça qu'on a fait. Ce n'est pas moi qui décide, mais c'est vous. Ok? On fait ça pour vous. Et là, le bilan était positif, puisqu'on a eu tout ce qu'on a eu comme activité, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de mauvaises choses. Et on veut que ça soit des mêmes pour cette année. Et cette année, on ira en fait à la mer. On va choisir encore Blankenberg ou Ostend, ou bien on change de place, Paridaïsa. Et puis on va aller à Plosakwa, et puis encore la mer. Ça, vous allez choisir. Mais chaque mois, on se rencontre toujours où c'est? Ici. Ici où? À la maison. On se rencontre chez Tonton Léopold. Chaque mois, une fois les mois, et on a des activités différentes. Aujourd'hui, je disais, c'est la préparation de la confiture à l'orange. Le mois prochain, ce sera l'art africain. Vous m'avez vu, je suis en chef coutumier, hein, traditionnel africain, avec ma canne, mon couvre-chef et ma décoration de serpent que j'ai tué quand j'étais enfant. Ok? Bon, quels sont les points négatifs que j'ai trouvés pour l'année passée? Hein, Rosé? Il y a le point positif et le point négatif. Les points négatifs, c'est quoi? Beaucoup de gens sont en retard. C'est les parents qui sont en retard. Aujourd'hui, on attendait 18 enfants, mais il est déjà 11 heures passées, tout le monde n'est pas encore là. Et nous, on n'attend pas, on commence notre activité. Ok? Voilà, si on attend, il sera quelle heure maintenant? 11h30. Voilà, il est 49 déjà. Hey, on attendait déjà à 11h. Donc ça, c'est pas bien. Et deuxième chose, il y a certains de vos amis que vous n'allez pas voir ici parce que leurs parents préfèrent aller à l'église. Ok? Il y a des parents qui veulent aller à l'église avec leurs enfants. Donc là, ça, nous, on ne sait rien faire. Donc il y aura toujours des absents ou des gens qui ne viendront plus avec nous les dimanches. Ok?
Bon, on a sonné. Non, non, on bouge. On a sonné. C'est quelqu'un qui est en retard. On va l'ouvrir. Et l'autre point négatif, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas que l'ASBL, quand on fait des activités, il faut de l'argent. C'est qu'on fait, on paye. Vous savez qu'on paye. Ephraim, tu as vu la facture, non? Combien on a payé? Tu as vu? Voilà. Mais des gens ne comprennent pas qu'on doit cotiser, qu'on doit essayer d'aider. Certaines personnes ont accepté de le faire, certains parents vont commencer à cotiser 10 euros chaque mois et on verra ce qu'on peut faire. Mais il faut que la mentalité rentre, parce que dans la mentalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça, qu'on a besoin de sous pour avancer. Ok? Mais à part ça, tout va bien, on va continuer nos activités, je vais voir qui a sonné la basse. Ok? Allez, on applaudit pour vous-même les enfants. Skateboarding. Skateboarding.